C'est là mon Jacques. On a passé l'âge de jouer à cache-cache. T'es contente de toi, Lucie? Mais dans tous les mariages, on jette du riz aux mariés, ça porte bonheur. Ah bah là, t'as bien visé, c'est le bonheur total. Et c'est pour ça que t'as quitté la noce en hurlant, parce que tu peux être douillet. Bon, allez, viens, ta sœur va jeter un œil sur ton bobo. Oh non, 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 surtout, tu ne jettes plus rien. Mais si, voyons, c'est de ma faute. Laisse-moi une chance de me rattraper. Oh. Ah bah dis donc, t'étais armée. Je risquais pas d'y échapper. Voilà un mouchoir. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Ah, ouvre l'œil. Oh. Non. L'autre, voyons, l'autre. Je peux pas, le riz fait ventouse. Ne dis pas n'importe quoi, c'est du riz incollable. Bon, allez, Jacques, c'est un mauvais moment à passer. C'est exactement ce que je me suis dit à l'église. Non, tu vas pas remettre ton mariage sur le tapis. De toute façon, c'est trop tard. Je suis mariée depuis quoi? 10 minutes. Et voilà déjà infirme. Oh non, c'est un signe. Non, 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 écoute. Corinne est une femme parfaite. Oui, pour un autre. Vous vivez ensemble depuis 5 ans. Mais raison de plus. Lucie, tu me connais. Je suis incapable d'être l'homme d'une seule femme. C'est au-dessus de mes forces. D'où l'intelligence de Corinne. Elle a toujours su fermer l'œil. Oh. Ah bah, nous deux, quel beau couple. Deux cyclopes. Oh, ça brûle! Allez, je t'en prie, ouvre! Plus tu attends, plus le grain de riz va gonfler! Oh, ben il manquait plus que ça! Jacques, tes amis t'attendent, là! Ah, parce que ça s'appelle ça, des amis? Quand le curé m'a demandé, jurez-vous fidélité à votre femme? L'église entière a hurlé de rire! Mais forcément, ils connaissent la bête! Oh. Allô? Quelle plaie, ces téléphones! Hier matin, j'étais à un enterrement, il y a un portable qui a sonné à l'intérieur du cercueil. Tu m'as tout appris, j'entends rien. Allô? C'était le portable de la grand-mère. Ils avaient oublié de lui retirer. Mais toi, oui. Allô? Si la pauvre femme, là, dans son cercueil, avait répondu, non mais t'imagines, là, toute la famille? Toute la famille en train de crier, trop tard, mémé, il faut raccrocher. Ah, ça y est, ça capte. Mais tu m'appelles d'où, là? Bah c'est mémé, là, je suis en enfer. Oh, oh, ils sont dingues de chauffer autant, hein. Mais tu vas te taire, oui? Quoi? Maintenant? Ah! Oh, oh! Quoi? Mais si, 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 je suis content. Et quand je suis content, je fais toujours... Ah! Yes, du premier coup, une grain de riz. Oui, oui, ok, je fais le nécessaire. Donc, un peu plus, il était trop cuit. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Les parents disaient toujours, faut pas gâcher la nourriture. Nos pauvres parents, s'ils avaient pu prévoir ce que tu deviendrais, ils se seraient certainement abstenus. Ah, c'était la gentillesse du jour. Je préfère ne pas répondre, ça gâcherait la fête. Allez, viens, on retourne à l'auberge maintenant que je t'ai dégrindrisé. Bon, je te rejoins. Notre futur président de la République va se pointer en hélicoptère. Il faut que j'écarte les transats. Non, non, c'était Alain. Oh, quelle bonne nouvelle! Oh, bah toi qui lui en voulais d'être absent à ton mariage. Ah non! Personne ne la noce ici! La maison, c'est sacré! Compris, Lucie, hein? Oui, oui, compris, ouais. Compris! Oui, oui, bon, ben bah, j'arrive, ça va! J'ai 2 jambes, mais c'est les plus belles de tout le département. Oh. Je suis bien chez Jacques Séguin pour visiter. Non, non, enfin, si, mais la noce, c'est à 50 mètres d'ici. La noce, mais quelle noce? Celle de Jacques et Corinne. Hein? Vous n'êtes pas un invité? Parce qu'en plus, ils se marient. Vous n'êtes pas un ami de Jacques? Non, pas vraiment, madame. Il est chez Louis? Oui, mais écoutez, mon frère a déjà beaucoup de mal à assister à son propre mariage. Alors, je lui dirai que vous êtes passé. Vous êtes, monsieur? Alors, comme ça, ils se marient. Ça tombe bien, j'ai un cadeau pour Louis. Ah, c'est très gentil, merci. Je remettrai de votre part. Non! Je préfère le lui donner en main propre, madame. Dis donc, est-ce qu'on aura rigolé à ce mariage? Ben, je vous en prie, asseyez-vous. Je peux savoir ce qui vous chagrine? Laissez-moi, madame. Je n'ai aucune envie de vous parler. Ah, non, charmant, je vais me faire une auto-conversation.
J'adore me surprendre en posant des questions auxquelles je ne m'attends pas. Et vous, madame, êtes-vous heureuse? Oh, excellente question, monsieur. Personne ne me l'avait demandé. Faut dire qu'ici, tout le monde s'en fout. Bon, alors, suis-je heureuse, madame? Oh, avant tout, pas madame, mademoiselle. Oui, je ne me suis jamais mariée. Oh, vous avez de la marge, c'est très comestible. Monsieur, vous me faites rougir, mais vous avez très très bon goût. Vous savez, mon truc à moi, c'est la chanson. En fait, mon frère se serait occupé de moi, je serais devenue une star. Ah oui, je connais plus de 3000 tubes, j'ai un air pour chaque circonstance. Oh, tenez là, là, vous m'inspirez, il y a de la joie. Il y a de la joie. Même à Roissy, les pistes ne sont pas aussi bien balisées. Je casse aiguille. Oh, mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Mais c'est qui? Tu le vois bien, c'est un bout en train. Mon pauvre ami. Je comprends votre émotion, monsieur, mais vous savez, le mariage, il y en a qui survivent. Vous êtes du côté de ma femme? Non, pas vraiment, monsieur. Tenez, c'est pour vous. Ah, merci, mais il ne fallait pas. Allez, hop, à la neuf. Enfin, vous pourriez au moins l'ouvrir. Oui, ouvre-le, que monsieur puisse repartir. Bon, bah alors à la demande générale. Non oh, mais qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Mais madame, elle ne doit pas assister à l'ouverture du paquet. Après la conversation palpitante que nous venons d'avoir, c'est mesquin, c'est petit. Accordez-moi 3 minutes, monsieur, après je vous laisse. C'est qui, Seigneur Humaine? Ouh, Lucie! Oui. Je veux bien guetter l'arrivée d'Alain. Ah oui, 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 l'hélicoptère. Oh, comme dans les grands aéroports. Je vais le guider en agitant 2 raquettes de ping-pong. C'est ça, merci, Lucie. T'es sûr que c'est pas un paquet piégé? Est-ce que tu vas imaginer? Non, je t'assure, il a une tête de portrait robot. Au cas où, n'oublie pas que je pratique les arts martiaux. Oui, oui, surtout le lance-cédric. Oui, je sais. Ma sœur est hors norme. Au début, ça surprend. Mais avec le temps, on s'y habitue toujours pas. Bien, prenez votre cadeau. Non! Mais quoi? Arrêtez de crier comme ça, vous me faites peur! Regardez d'abord mon passeport, monsieur. Oh, vous savez, une carte de visite m'aurait suffi, hein? Ah oui, oui, oui. Là, sur cette photo, c'est bien vous, hein? Vous aviez déjà cet air joyeux qui vous caractérise. Mon nom ne vous dit rien? Tout rire. Tout rire! Mais vous êtes de la famille de Emmanuel? Mais monsieur, par alliance, je suis son mari! Chut! Enfin, Emmanuel n'a jamais été marié, voyons! Oh, sincèrement, chose préférée. Sur cette photo, c'est bien vous qui tenez ma femme par le cou. Oh, mais enfin, ne laissez pas traîner ça, voyons! Ma photo, ma photo, ma photo! Alors, comme ça, vous êtes vraiment le. Enchanté. Moi pas. D'accord. Alors comme ça, vous êtes venu spécialement aujourd'hui pour que je rompe avec votre femme, c'est ça? On pourrait peut-être lui demander son avis, non? Oh, pardon, 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 pardon. Je vous fais une crise de jalousie alors que mon alliance est encore tiède. Bon, écoutez, chaque jour ça paye. Aujourd'hui, vous me fichez la paix et demain, on en reparle calmement. Oh, monsieur, je serai de retour à Tahiti où j'habite depuis 3 ans. Depuis 3 ans? Nous vivions séparés. Mais alors, de quel droit vous venez polluer mon mariage? Bon, abrégeons, monsieur. Emmanuel, vous avez dit qu'elle m'aimait. Je savais qu'entre elle et moi, tout était foutu. Foutu? Vous voulez dire foutu? Oui, non, mais en Polynésie, les U se prononcent. On en était où? Je me demandais si vous savez que vous étiez cocu. Cocu? Bah, bien sûr, je le savais. Ça s'est passé ici. Oh, ici ou ailleurs? Ça change quoi pour vous? Quand on habite Tahiti, on n'est plus à 100 km près. Emmanuel, vous savez que vous alliez vous marier aujourd'hui? Non. Je compte lui faire la surprise à son retour d'Hawaï. Mais on n'a pas été non plus non, de se poser en maillot toute l'année. Tiens, je serai vous. Je lui interdirai d'être mannequin. Vous auriez dû l'avertir avant son grand départ. Pour lui gâcher son voyage? Ah, ça c'est bien une réaction de mari. Emmanuel a toujours su que j'étais marié. C'est avant que j'avais menti. Aujourd'hui, je ne fais que rétablir une vérité. Anticiper. Ah, oh, vous avez le symbole et la conception du couple, vous? Pas du tout. À sa femme, on promet le mariage,
à sa maîtresse en promet le divorce. C'est ma Emmanuel. Mais ce qu'il est agaçant, mais c'est Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, elle n'est pas là. Nous sommes venus ensemble. Oh. Quoi? Vous voulez dire qu'elle est rentrée de voyage? Mais elle est où? Devant la grille? Non, non. Ah bon? Non, elle est là. Quoi? Oh. Dans le jardin? C'est encore pire, elle va tomber sur Lucie. Non, monsieur. Elle est là. Mais comme ça, elle est là. Là. Ah! Vous voulez dire que le cadeau, c'est elle? En quelque sorte. Alors là, je crains le pire. Mais c'est quoi? Un cactus? C'est pire qu'un cactus. Ah, il va falloir être fort. Bon, arrêtons les guillemets, voulez-vous? Ma femme m'attend. Oh, vous avez de la chance parce que... La mienne n'est plus. Comment ça n'est plus? Elle est morte. Quoi? Emmanuel mort. Emmanuel? Mon Emmanuel à moi? Notre Emmanuel à nous. Foutou. Monsieur, c'est une plaisanterie. C'est d'un goût. Sortez! Son hélicoptère s'est crashé à Hawaï près de nous. C'est un télégramme qui m'appelle nous. Ah bah tenez, voilà, vous entendez sur moi. Vous pouvez vérifier. Oh non, mais c'est pas vrai. Si, si, si. Oh, mais c'est arrivé quand? Il y a 8 jours, non mais je sais, c'est incompréhensible, c'est si brutal. C'est trop horrible. Ma femme vous aimait, monsieur, vous savez. Oh oui. Oui, 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 oui. Oh, ce qu'elle vous aimait. Oh oui. Vous l'avez rendue heureuse. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, mon pauvre Touri. Vous ne pouviez pas savoir comme elle était douce, sensuelle. Si, j'en ai quand même un peu profité. Vous avez bien fait, je vous en veux pas. Je suis totalement anéanti. Je ne sais pas ce qu'il y a, Manuel. Vous avez fait part de ses vœux testamentaires. Mais une question. Comme si à son âge, on pouvait prévoir. Si, justement, en fouillant ses papiers, j'ai retrouvé son testament. Testament, mais holographe. Tenez, lisez vous-même, parce que moi, ça me fait trop de mal. Vous reconnaissez son écriture? Oh. Oui. Ces petites pattes de mûche. Au cas où il m'arriverait malheur, oh, Emmanuel. Je désire être incinéré. Incinéré? Eh oui, monsieur. Ça prend 2 aines? Quelle importance, continuez! Je suis au supplice. Et que mes cendres soient dispersées là où j'ai été la plus heureuse avec Jacques. Sur son lit? Quoi? Oui, eh oui, monsieur, voilà pourquoi je vais vous apporter son nom de funéraire pour exécuter ses dernières volontés. Non, mais attendez, vous n'avez pas l'intention de... Je sais, monsieur, ça dépasse entendement. Elle est là-haut? Oui, j'ai compris, elle est au ciel. Dans votre chambre, elle est là-haut? Non, mais c'est un cauchemar! Non, 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 mais vous n'avez pas! Vous ne pouvez pas! C'est pas légal! Et puis c'est pas propre! Écoutez, monsieur, ne vous occupez pas, plus vite ce sera terminé, plus vite nous serons soulagés, votre chambre, c'est donc celle-là. Non, non, pas sur le lit nuptial. En plus, on vient changer les draps. Et même là, tu restes avec moi. Ma femme, mais rendez-moi, ma femme. Ma femme. Ma femme. Voilà. Oh non. Ça, je pars. Et cachez-vous. Alors, c'est ça. Pas dans ma chambre. Ici. Non. Mais non. Allez, plutôt, c'est ma soeur. Mais là, mais non. Et donnez-moi ça. Ma femme, il m'a pris, ma femme. Je vais pas vous la voler. En plus, dans cet état, ça ne servira à rien. Oh. Oh là là. Oh, maintenant, c'est possible. J'ai fait le sémaphore. Michel s'est posé là comme la plume au vent. Ah, dis donc, t'en fais une tête, toi? Eh ben, t'as vu la tienne? Oui, ah ben c'est l'hélicoptère, je me suis approché de trop près, alors l'hélice, da 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 da.
Le quoi? Bah, le type, là, en noir, on aurait dit un corbeau. Ah, cet oiseau de malheur. En fait, c'était quoi son cadeau? Un cendrier. Quoi? Il nous a fait tout ce cirque pour un cendrier? Ah non, mais il est complètement ouf, lui. Bon, allez, viens, à la noce, on y retourne. On va se faire tuer, là. Non, non, non. Par en éclaireuse pour les faire patienter. Lucie! L'auberge est par là. Mais merci, tu permets que je me refasse un look? Si je me pointe comme ça, tout le monde va penser que tu t'es vengé du grain de riz. Non, non, pas dans ta chambre. Quoi? Va, plutôt dans la salle de bain. Le miroir est plus grand. T'auras une meilleure vue d'ensemble sur les dégâts. Les dégâts? Et pourquoi pas les gravats pendant que tu y es? Oh bon, allons voir l'état du chantier. YMCA. Quel accueil! Oh mon Alain, pardon. Aujourd'hui, je manque à tous mes devoirs. Mais je t'en supplie, fais attention. Tout peut aller si vite en hélicoptère. Ah, heureusement, oui. Sinon, je ne serai pas ce soir dans le Bordelais pour le coup d'envoi de ma campagne électorale. Oh, comme si j'ignorais. À l'agence, on a bossé dessus comme des malades. Mais pourquoi, au dernier moment, t'as changé la date? Du coup, ça tombe pile le jour de mon mariage. Au fait, toutes mes félicitations. Oh. Me féliciter? De quoi? D'avoir capitulé? Mon pauvre Alain, si tu savais. Quelle journée atroce! Corinne a eu un malaise? Oh. Penses-tu? Elle est incroyable, celle-là! Oh. Bien, passons aux choses sérieuses. Ah oui, Lucie va t'accompagner à l'auberge, et moi, pendant ce temps-là, je vais offrir un verre à ton pilote. Lucie! Oui, chérie? Jacques, je n'ai nullement l'intention d'assister au banquet. J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Encore? Bah, décidément, aujourd'hui, je cumule! C'est quoi ta mauvaise nouvelle? Lucie ne doit pas assister à notre conversation. Encore? Bah, décidément, aujourd'hui, personne ne veut me parler, moi. T'as entendu quoi? Ce qu'il a dit? Quoi? Tu files à l'auberge! Et tu n'en bouges plus! T'as compris la main? Ah, mais arrête! Tu vas me faire des bleus! Le bleu, ça ne va pas du tout au teint. Non. Ah non, non, attends, attends. Mamie Michelle, tu sais qu'à l'auberge, la sono est complètement pourrie. Et ce soir, devine qui va mettre l'ambiance, c'est... Lucie, la DJ. Oh, je vais scratcher le méga teuf. J'attaquerai bille en tête avec un remix d'un standard top vintage. C'est la danse des canards. Je remue le bas des reins et font quoi? C'est la danse des canards qui entend. Eh oui, les ravages de la grippe aviaire. Elle s'en range pas, la sœur. Enfin, chacun sa croix. Eh oui, toute une époque qui se termine. Bien, ben moi je veux boire bien un petit quelque chose. Oh là là, tout ça est d'une tristesse. Ah non, ça, ça me l'a beaucoup plus gai. Ma petite Corinne a toujours eu le coup de main pour les cocktails. Oh. Ah là là. Je passe ça, voyons! Pourquoi? C'est mortel! Mortel? Oui, c'est du poison! Du poison? Pour les taupes! Si tu savais quand même, m'empoisonne l'existence! Les taupes! Oh. Non, mais tu crois que c'est l'endroit idéal pour garder ça? Oh, maintenant pour elle, ça n'a plus d'importance! Pour qui? Pour les taupes? Bon, c'est quoi ta mauvaise nouvelle, Alain? Oui. J'ai décidé de ne plus travailler avec toi. Dis donc, Coco, t'as réussi, t'as quitté la noix. Bon, ça je ne suis pas prêt de l'oublier, tu me le rappelles à tout bout de champ. Oui, bah rappelle-toi que je t'ai créé toute pièce. Et quand je t'ai pris en main, t'étais encore exilé au Canada, droit dans tes bottes. Si tu cherches à me culpabiliser, c'est inutile. Je cherche uniquement les fautes professionnelles que j'aurais pu commettre. Trouve-moi une seule, et je m'incline. Ah bien, puisque tu insistes. D'après mon état-major, tu véhicules une image de dragueur poussif. Tu serais une poisson, on t'appellerait le DSK Light. Eh, dis donc, pour les leçons de morale, t'es très mal placé. Qu'est-ce que tu insinues? Ta pauvre Clarisse,
avec toutes les cornes que tu lui as plantées sur la tête, faut pas chercher plus loin l'origine de sa scoliose. Oui, eh ben, moi c'est différent. Et puis si tu cherches à me faire chanter, est-ce que tu m'en prends capable? Après toutes ces années? Mais pourquoi aujourd'hui tous tes rêves? Enfin, Jacques, admets-le, c'est fou ce que tu traînes derrière toi comme cadavre. Et ça, je peux même pas le nier. En tout cas, j'ai eu la délicatesse de venir te l'annoncer moi-même. Quand tu m'excuseras, je suis très limité. Mon meeting. Juste le jour de mon mariage. Pour que je sois bien coincé. Bien joué. Alors toi, dans le genre faux cul, t'es un maître étalon. Tu m'as toujours dit, on ne peut pas réussir en politique sans trahir. Eh bien, tu vois, j'applique tes conseils. En tout cas, je te garde toute mon amitié. Sans rancune. Merci. La maison n'accepte pas les pourboires. Je comprends, c'est beaucoup trop frais. Mais tu verras, l'amour propre, ça cicatrise très bien. Au revoir, Jacques. Au revoir. Adieu, oui. Je t'en ficherai du DSK-Lite. Ces élections, c'était le couronnement de ma carrière. Attends, Alain, je pars avec toi. Jacques, oh, dis donc, la cousine de la promote, elle est grave, elle est grave. Et où, Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as dit? Son hélicoptère m'a foutu une poussière dans l'œil. Dans le même en plus. Ça y est, il est parti. Ah, le corbeau. Alors vous, l'oiseau malheur, disparaissez. Ah, vous avez une saleté dans l'œil, laissez-moi regarder. Ah non, non, moi je vous verrai mieux, je me porterai. Disparaissez, je vous dis. Ah oui, mais je ne vois plus ma femme. Mais vous l'avez posée où? Elle est là, votre femme. Près du bac à légumes. Oh, monsieur, comme s'il fallait encore la refroidir. Allez. Je ne veux plus voir cela, plus de cet objet macabre. Reprenez votre femme. Vous l'avez transvasée? Mais qu'est-ce que vous racontez? Allez, reprenez-la. Je vais garder d'elle une autre image. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? Denier crémé. Oh, la pauvre! Ils n'ont fait le travail qu'à moitié! En plus, la date de fraîcheur est périmée. Ah, parce que maintenant, ils mettent une date de fraîcheur! Ah! J'avais confondu avec le... Oh, bah dis donc! Un peu plus et vous partiez avec ça! Quelle horreur! Si ça se trouve, c'est tout caillé là-dedans! Mais où est-elle? Mais elle est encore là, maman des taupes! Des taupes, enfin, quelle taupe, monsieur! Mais je veux ma femme tout de suite! Mais puisque je vous dis qu'elle a disparu! Vous voulez qu'on fasse l'inventaire du frigo? C'est pas elle! Non. Non, non, attendez avant de répondre, réfléchissez bien! C'est peut-être elle, déjà réincarnée! Ah! Dis donc! Oui. La poussière est partie! La poussière est partie! C'est ma femme, vous parlez ainsi! Écoutez, à partir de maintenant, chacun pour soi! Moi, je vais attendre tranquillement que mon réveil sonne! Quand je fais un cauchemar, c'est toujours lui qui sonne au bon moment! Tic-tac, tic-tac! C'est pas vrai! Mais il se couche! Il se couche! Je suis sûr que vous avez caché ma femme quelque part, moi! Tic-tac, tic-tac! Ah, quelle bête en l'air, j'ai oublié mon vernis! Ah! Emmanuel! Non, non, c'est moi, c'est Lucie! Emmanuel! Ah, tu me reconnais pas, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, corbeau? Bah, tu vois bien, ils rembattent tes pieds! Oh là là, ils ont fumé un pétard! Oh, les revenus, mais quel bonheur! Merci, enfin, un mot gentil! C'est
C'est toi qui avais pris ça. Tu sais ce que c'est, malheureuse? Bien sûr, c'est un truc de bonne femme. Un truc de bonne femme. Bon, calmez-vous, Tourine, tout va bien. Lucie nous l'a rendu. Oh, et comment ça, nous? Ah non, 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 non. C'est uniquement pour ta consommation personnelle. Ah. Oui, et quand tu auras bu ça, mon petit chéri, tu rendras ta femme très, très heureuse. Très, très heureuse avec ça? Alors là, faudra qu'on m'explique. Mais alors, pourquoi t'as quitté mon mariage? Mais on vient de terminer les escargots, on va attaquer le poisson. Eh bien, tu sais quoi? Tu attaqueras le poisson sans moi. Non, non, mais et non. Puis une arrête de clouer définitivement le bec. Mais non, Jacques, mais non, mais non, Jacques. Oh, Touré, tout s'écroule. Je m'enfonce, je m'enfonce. C'est la chégouée. Le plus important dans la vie, c'est d'accomplir son devoir. Oui, d'être en paix avec sa conscience. Voilà. Ah, mais c'est pas vrai. Voilà. Il recommence. Vous êtes têtus, donnez-moi ça. Mais ses dernières volontés sont à l'opposé des miennes. Ah, non, non. Oh, la peau! Qu'est-ce qu'on lui fait subir?
catéchisme. Tiens, ben, qu'est-ce qu'il y a par terre? Ne la touchez pas avec vos doigts. Elle a déjà terriblement souffert. Mais pour mon interview, parce qu'à l'origine j'étais pas venu pour faire le grand écart. Je vous rejoins dès que j'en ai terminé avec madame. Madame. Oui, enfin monsieur, c'est pareil. Ah d'accord, je vois. Bon, je vais vous attendre à l'auberge. Là-bas, ça devrait mieux se passer. C'est du parquet. Arrêtez! Touri, enlevez-lui ses chaussures. Ses chaussures, pourquoi faire? Mais réfléchissez! Elle est un pneu, peut-être. Sous lui, sous moi! Mais enlevez-lui! Oui, oui, ne vous énervez pas! Et dire qu'il y en a qui pensent que correspond. Correspondant local, c'est un métier de tourbeau. Enfin là, c'est quand même deux cas cliniques. Parfait, Touré, parfait. Vous êtes très consciencieux. Ils doivent faire partie d'une secte. Les adorateurs de la moquette. Regardez sous les semelles. Il n'y en a pas dans les rayures? Non. Rien dans les trues et rien dans les rayures. Qu'est-ce qu'il y a de vous dégager, ce truc du cou? Comme si j'allais vous en embarquer des coups. Eh ben ça y est, les revoilà en pleine crise. Eh ben ne vous inquiétez pas, avec tout ça, j'ai de quoi vous prendre un article bien gratiné. Merci pour votre hospitalité, monsieur, madame. Dis donc, c'est vous qui vous incrustez, c'est pas moi. C'est pas moi, mais on peut pas la laisser comme ça. Il n'y aurait pas une balayette, n'est-ce pas? Oh, c'est pas vrai. Il avait un aspirateur, il ne le disait pas, dis donc. Quoi? Mais vous n'allez pas aspirer, Emmanuel? Oh, vous avez une meilleure idée. Non, mais ce type est un malade, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ce type est un grand malade. Il est très, très malade. Emmanuel mérite plus que ça, voyons. Un peu de délicatesse, enfin. Le minimum qu'on puisse faire pour elle. C'est un sac d'aspirateur neuf. Oh. C'est dément. J'avais écrit ça comme scénario pour une pub pour les aspirateurs. Je me serais fait incendier. Oh. J'hésite. Mais pourquoi? Vous croyez vraiment que je peux, comme ça, lui passer dessus? C'est pour une fois que vous me demandez la permission. Alors vous, pour un mari, vous êtes vraiment très con. On préhensif. Alors, par là. Oh, mon amour. Voilà. Par là. Oh, mon amour. Jacques. Oh. Non mais je rêve! On vient de servir le poisson, tout le monde attend pour attaquer le filet de cendre! Le filet de cendre! Et que fait monsieur? Il passe l'aspirateur! Absolument! Je voulais m'habituer à tous mes devoirs de me marier! Oh pardon, tu peux répéter? Ah! Mais attention, vous mettez vos pieds, voyons! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il prend? Pas devant monsieur, voyons! Quand la mariée franchit le seuil de sa porte, la tradition, c'est de la porter. En 5 ans de vie commune, c'est la première fois que je te vois utiliser un appareil ménager. Ça cache quoi, cette conversion subite? Rien. Ça ne cache rien. C'est vous qui m'avez caché à quel point c'était amusant, la propreté. Oh! Qu'est-ce que je m'amuse? Moi aussi, j'ai des désirs de femme enceinte.
des pulsions irrépressibles de faire le ménage. Voilà. C'est ça. Et cet individu à tes côtés, c'est Monsieur Propre? Bon, Jacques, bien que je sois né dans le Périgord, ne me prends pas pour une truffe. Qui est cet homme? Cet homme? C'est... un monsieur. Monsieur, je vous présente ma femme. Enchantée. Madame, je vous présente la mienne. Quel abruti! Mais non, il voulait dire que... Oh, et puis tant pis. Tant pis. J'ai plus la force de mentir. Alors là, tu me surprends. C'est bien la première fois. Trésor, il se trouve que l'épouse de ce monsieur, par un concours de circonstances ahurissantes, se trouve très précisément à la tête de la firme qui a fabriqué cet appareil. En effet, c'est ahurissant. Alors comme ça, monsieur, votre femme est dans l'aspirateur. Si, ça peut le dire. Oui, ma femme est dans l'aspirateur. Vous voulez vérifier? Mais quel abruti! Et depuis combien de temps? 3 minutes. Pardon? Non. Ça fait, il y a 3 minutes, monsieur, avant votre arrivée, monsieur me proposait le budget de sa prochaine campagne publicitaire. 10 millions d'euros, je vous rappelle lui. Bon, Jacques, tu vois pas que je suis sur le point d'exploser, là? Oh, Trésor, retenez-vous, le médecin a bien recommandé... Oui, surtout pas de choc nerveux, ben là, j'avoue que tu me gâtes, hein. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mets ta main sur mon ventre. Oh! T'as senti? C'était qui? Marc Pépé, qui veux-tu que ce soit? Qu'est-ce qu'il est con, lui aussi, hein? Il avait très envie de te donner un coup de pied. Lui, au moins, il est solidaire. Jacques, si dans les 5 minutes t'es pas à la noce, je divorce! Trésor, ne me tentez pas! Mais je te préviens, la prochaine fois que je réunirai toute la famille, ça sera pour ton enterrement. Là, au moins, je serai sûre de ta présence! Au revoir, madame! Tous mes voeux de bonheur! Merci, Tony! J'ai besoin de vos encouragements! J'ai remarqué un truc bizarre dans votre couple! Un seul? Oui! Vous n'êtes pas très observateur! Oui, parce que votre femme vous touche, mais alors vous la vous voyez! Seulement depuis qu'elle est enceinte! Pour pas que le fœtus se sente exclu de nos conversations! Et Emmanuel était au courant de cette grossesse? Oh ben non! Et j'ai bien fait! Ça lui aurait fait du mal inutilement. Oh, pas ça, certainement. Et votre femme attend quoi? Garçon ou fille? On a vu à l'échographie très nettement, la layette sera rose. J'espère pour moi. Oh là là. Peut-être comme prénom, je choisirai Emmanuel. Emmanuel? Oui. Emmanuel. Oui. Emmanuel. Pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Je t'aime. Je t'aime! Je t'aime! Oh! Je t'aime! C'était son dernier souffle! Elle avait une grosse bouche! Ça y est! Elle a fini de traîner! J'arrive pas à réaliser que... Tenez, Toury, je vous la confie. Regardez, elle a pris des formes. Oh, elle vient d'éternuer. Enfin, je crois que c'est le choc nerveux qui m'a totalement anesthésié. Oh, allez. Oh, c'est pas vrai, je commence. Ah oui, ah oui, je commence. Vous ne repartirez pas sans la faire disperser sur mon lit. Ah ben non, monsieur, non, non, non. Très bien, alors procédez. Oh oui, procédons. Viens, mon amour. J'ai enfin pouvoir te saupoudrer. Te saupoudrer? J'en serai qui pour un bon coup d'aspirateur? Non mais attendez-moi, je suis parti de la famille, non? Il est énorme. C'est pas une sœur que je sais à vous Jacques, on trinque à tes amours et on va s'éclater à ton mariage. Allez. Comme si j'avais le cœur à boire du champagne. Tu sais comment les invités t'ont surnommée? L'Arlésienne. Et toi,
à force de surgir tous les quarts d'heure. Le coucou suisse. Mais quand vas-tu cesser de m'interner? Jacques, c'est quoi ton problème? Mais toi, uniquement toi, pourquoi vous dites que je suis toujours sur le dos? Mais enfin, entre frères et sœurs, on se doit assistance. Et mon bonheur à moi, c'est toi. Eh bien, moi, mon bonheur à moi, c'est moi sans toi. Laisse-moi un peu vivre avant l'âge de la retraite. Oh, quel ingrat! N'oublie jamais que c'est moi qui t'ai créé toute pièce. Quelle horreur! J'ai l'impression de l'entendre. Lucie, laisse-moi. La situation est tragique. En effet, aussi peu de reconnaissance, ça c'est tragique. Quand tu étais gosse, c'était à genoux que tu me suppliais de jouer à la fée. Mais quel rapport? Eh bien là, c'est à genoux que je te supplie de partir. Dès que t'avais la moindre angoisse, je te disais, fais un vœu, chérie. La fée Lucette va l'exaucer. Et gling, à tous les coups, je l'exauçais. Tiens, là, 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 c'est quoi ton vœu le plus cher, là? Qu'elle me dise, pardonne-moi de t'avoir trahi. Retravaillons ensemble. Tu vois, tu peux rien pour moi. Alain nous lâche après tout ce qu'on a fait pour Louise. Monsieur le Chevalier. Ah, il est encore là, le corbeau, mais qu'est-ce qu'il fait dans ta chambre? Oui, ma sœur a raison. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Enfin, vous le savez bien. Je vous attends. Le lit. Oui, pourquoi il dit ça? Jacques, j'ai peur de comprendre. Quoi donc? Non, mais ne me dis pas qu'entre ce monsieur et toi, ou... Pardon? Non, non, c'est pas possible, pas toi, pas le jour de ton mariage. Enfin, Lucie, qu'est-ce que tu m'as insinué? Mais t'as une de ses santé, toi. Oh, Lucie! Toute ta vie, il aurait fallu que tu innoves. Mais je t'expliquerai, mais là, il est pressé, on doit procéder. Procédez! Surtout, ne vous retardez pas pour moi. Alors, c'est donc vrai, à tout moment, un homme peut basculer. Lui, si ça suffit, retourne immédiatement à l'auberge. Ah oui, oh, t'as vu ton aphrodisiaque? Mon quoi? Oh, je t'avais dit de ne pas le partager avec le corbeau. Dis donc, il est super efficace. Lucie, je suis à bout de nerfs. Mais pourquoi t'as tout vidé? Mais c'est pour ça qu'il est dans ma chambre. Tu vois, tu confirmes. Et il ne repartira pas avant d'avoir obtenu satisfaction. Mais voilà pourquoi il pleurait en arrivant. Tu lui avais caché ton mariage. Oh, pauvre pichon. Lucie, t'as fini? Avec son petit cendrier d'amour. Lucie, dehors ou je fais un malheur? Oui, ma jacotte. Je vais retrouver ta femme. Enfin, l'officiel. Tu sais, moi, la seule chose qui compte, c'est que tu sois heureux. Mais là, tu fais fort. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. La... Décidément, aujourd'hui j'arrive ma dose. Ça y est, les papilles. Moi je vous attends pour le lit. Oh oui, je sais, Toury. On en a déjà beaucoup discuté avec ma sœur. Je ne vous remercierai jamais assez. Allez, on va la remercier. Vous fermez la porte pour éviter un courant d'air. Ben, manquerait pas qu'elle s'envole. Y'a quelqu'un? Ah, faut que j'arrive à temps. Oh là là, quelle journée! Oh non! Non, trop tard! Adieu, ma chérie. Repose en paix sur ce lit. Oui, c'est ça. Repose en paix sur ce lit. Pour moi, par terre, ce sera plus dur. Allez, Toury, bon retour sous les cocotiers. Votre départ va créer un vide. Je vais vous laisser mon adresse à Tahiti, on ne sait jamais. Oh, ben oui. Si j'ai une personne à incinérer, à disperser, j'irai vous rendre la politesse. Reprenez votre urne. Oh non, non, gardez-la en souvenir. Ah, ben non. Si vous vous remariez, ça peut toujours servir. Ben, où est-elle? Elle était là, sur le bar! Ah, merci, Emmanuel. Emmanuel! Mais que bijou, pas qu'à toi! Enfin, vous faites raisonner, qu'est-ce qui vous arrive? Emmanuel, là! C'est pas possible, elle n'est plus, elle n'est plus! Jean, arrête!
faire. Oh, regarde dans quel état tu l'as mis. C'est vrai que c'est ma faute. Emmanuel, mais tu n'es pas sur mon lit. Mais non, Minou, je suis là en plein fort. Oh, Mamour. Oh, 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 oh. Elle est vivante. Mais pourquoi tu pleures? C'est pas moi, c'est les nerfs. Je vais marquer le miracle. Alors ça, c'est le pompon, elle l'embrasse sur la bûche. Pas devant ton mari, enfin. Alors, Tourille, tout ce que vous m'avez raconté, grand con, je vais te casser la gueule. Oh, l'auteur du canular, c'est... Quoi? C'est toi qui... Tu permets que j'explique. Quand je suis rentrée d'Hawaï, plutôt que prévu... Pourquoi tu m'as pas téléphoné? Pour te dire quoi? Une bonne copine vient de m'apprendre que tu te maries et je te parie que c'est pas avec moi? Non, mais... Alors que tu m'avais promis de divorcer. T'imagines la haine? J'avais plus qu'une idée en tête, de faire souffrir un max. Eh, hey, dis donc, tu m'avais bien caché ton guignol de mari. Lui? Mais c'est mon frère aîné. Quoi? Oh, les frères et sœurs, comme vous et l'autre frappadelle. Alors hier, quand Jean a débarqué de Tahiti, en voyant Destroy, il a accepté de m'aider. Mais vous êtes diaboliques, tous les deux! J'aurais pu faire un infarctus! C'est vrai, il a eu du chagrin. Ouf. Comment ça ouf? Vous m'écœurez, tous les deux! Disparaissez! Jacques, ce matin, j'ai voulu tout laisser tomber, mais pas moyen de prévenir Jean, alors j'ai sauté dans ma voiture et... Et puis là, voilà, t'as la phénix qui renaît de ses cendres. Oh bah, c'était bien la peine que je m'emmerde à passer l'aspirateur. Tu savais comme je regrette. C'est vrai? C'est rien comparé aux regrets éternels. Adieu. Adieu? Oui, il a dit adieu. Allez hop, on met les voiles. Bon, au revoir, monsieur. Excusez-moi, on a un petit peu gâché votre mariage. On ne le fera plus, c'est promis. Bon, allez, tu viens, t'es galéré. Allez, 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 on s'en va? Oh non. Tu peux marcher normalement. Oh, écoute, laisse-le. Oh, c'est pas possible. Respecter les formes. Ah, Jacques, à qui ai-je l'honneur? Trésor,
je vous présente un... Ma femme. Ma femme. Oui. Sa femme, qui a eu la très bonne idée de nous rejoindre. En effet, quelle merveilleuse idée! Madame, vous avez des enfants? Non, pas encore. Pour l'instant, ceux des autres me suffisent. Pourquoi? Ah, ben pour savoir si vous attendez encore du monde, hein? Car nous, à l'auberge, on n'attend plus personne, excepté le marié, mais ça, c'est un détail. Trésor, je vous rejoins. Ça y est, nous avons conclu un marché. Allez, chers amis, au revoir. Ma volaille m'attend. Alors vous rentrez chez vous et vous rendez mon monastère. Eh bien, vive la mariée. Oh, madame, nous vous souhaitons un bon bébé. Ah, bah si tiens de son père, il sera invisible. Je vous raccompagne à votre voiture. Oh, non, 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 toi, je ne te lâche plus. Tu m'attends ici. Mais Trésor, où allez-vous? Cherchez l'album de famille à la demande du cousin Alphonse. Oh, celui-là qu'elle plaît. Ne bougez pas. J'y vais. Surtout pas. À chaque fois que tu cherches quelque chose, c'est comme si un cyclone dévastait la maison. Mais viens. Oh, j'aurais dû t'en venir. Bon, bah tiens plutôt compagnie à tes clients. Ah, mes clients. Pourquoi vous êtes revenus, vous? Ta femme. C'est tellement mignon quand tu l'appelles Trésor. Ah, ça. C'est à cause de sa fortune. Trésor, c'est un diminutif de trésorerie. Et ta future paternité, ce sont les intérêts? Tu m'avais pas juré que ta femme, tu la touchais plus? Mais je t'assure, j'ai jamais compris comment Corinne avait pu tomber enceinte. Moi, je le sais. Mais, il a suffi une fois. Même pas. Je le saurais quand même. Non, ma seule explication valable... Tu m'as menti et tu t'as pas à recommencer. Chut. Bon, toi et moi, on n'a encore jamais dormi ensemble, mais parfois, la nuit, il m'arrive d'être somnambule. Somnambule. Il est costaud, le minou. Il se reproduit en dormant. Non, si je me permets une petite question technique, ça vous fait pas un sommeil trop agité? C'est quoi cette horreur sur mon lit? Oh zut, j'avais totalement oublié. Jacques, d'où provient ce résidu grisâtre? De l'au-delà, madame. Pardon? De l'au-delà des mers, c'est du sable volcanique de Tahiti? Oui, j'en fais collection. Ah bah vous peut-être, mais pas moi. Alors par quel miracle mon dessus de lit s'est-il transformé en lagon sur lequel s'est échoué en prime un sac aspirateur? Voilà. Ça m'a expliqué. Ah ben il est costaud celui-là, monseigneur. C'est de ma faute, madame. Oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute, bah oui. Non, parce que j'ai ramassé du sable sur votre lit pour... Pour pour démontrer, ça y est, pour démontrer à votre mari la force d'absorption de nos aspirateurs, vous voyez, sur un support mou. J'ai beau avoir un QI à trois chiffres, là j'ai du mal à suivre. Hein. Mais si le mou, c'est un argument de vente qu'on a trop souvent négligé. Le support mou. Oui, c'est bien connu. Et comme... bah bouge pas sa main, j'ai déjà pas mal déblayé. Et comme... Comme... Merci vous, hein. Comme le brainstorming s'est tenu dans le living room... Le test du support mou nous est complètement passé au-dessus de la tête. Et puis voilà. Et puis voilà. Madame, monsieur, trouvez-vous normal que le jour de mes noces, on me rabâcha les oreilles avec un support mou? Ah non. C'est bien ce qui me semblait, hein. Alors au cas où vous auriez encore des envies irrépressibles de tester l'aspirateur, la marchande de sable qui est loin d'être molle, elle, va vous effectuer une livraison. Ah! Quoi? J'ai un grain de sable qui m'est tombé dans l'œil. Oh. Dans le même, en plus. Oh, pauvre petite chose, va. Vous pouvez pas savoir ce que c'est douloureux d'avoir un corps étranger dans l'organisme. En effet, depuis 9 mois, j'ignore complètement. Touri. Oui. Ce grain de sable vous appartient. Reprenez-le. Je ne veux rien vous devoir. Oh. Bon, d'accord, montrez-moi ça. Allez, faites-moi. Oh. Aïe, aïe, aïe.
Non, mais j'ai rarement vu un blond de l'œil aussi rouge. Ah, faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu du passage. Bon, je vais vous l'enlever à la tahitienne, toi qui connais. Oh. Ah, bah si c'est sans thème rassuré, c'est loupé. Mais détends-toi, Jean pratique la plongée sous-marine. Il va plonger dans mon œil. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai un souffle hyper développé, vous voyez. Alors comme ça, je vais pouvoir mieux ventiler. Vous voyez, là où c'est très fort, parce que c'est très fort quand même. Non mais c'est vrai, hein, c'est très fort. Ce grain de sable, sans vous toucher quoi? Bah oui, un peu de la bombe. Sans vous toucher, je vais vous l'aspirer. Voilà maintenant qui se prend pour un aspirateur. Chut, un peu comme le grand bleu, vous voyez. Oh. Elle est là. Oh. Elle est là. Regardez. Elle est là, grâce à vous. Elle est là. Mais quelle horreur. Il se cache même plus. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je sais que vous êtes très pressé, mais au moins retenez-vous devant sa femme. Se retenir, mais de quoi, Lucie? Mais de rien, de rien. Elle a bu trop de champagne. Ce sont les bulles qui lui remontent au cerveau. Bon, allez, maintenant, Trésor, je m'occupe de vous. Et il enchaîne, je lui mange le nez, mais quelle santé! Bon, Corinne, votre volaille est toute froide. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Ah bah, vous ne devinerez jamais. Je refaisais le lit. C'est vous qui refaites le lit! Non, toi, t'es pas prêt d'en retrouver une aussi cool! Trésor, on retourne au mariage! Lucie, vous savez à quoi s'amusaient ces deux messieurs? Oh, ma peau choute, si vous saviez comme je compatis! Ils testaient leur support mou! Attends, là, je préfère m'asseoir comme ça, je tomberai de moins haut. C'est qui cette créature? Emmanuel! Non, mais faut savoir, tout à l'heure tu disais que c'était moi, Emmanuel! Qui? Moi? Mais. Madame, elle est l'épouse de monsieur! L'épouse? Plutôt sa couverture! Mais non, Lucie, pas la couverture, le dessus de lit! Bon, Trésor, ça fait une heure que je vous attends! Celui-là, quel culot! Ça, il a le culot qui vieillit mal! Mes chers amis, si le cœur vous en dit, joignez-vous à la noce! C'est vrai? Oh, génial! Merci, madame! Oh, merci, moi j'ai deux, c'est fin! Vous auriez un croque-monsieur? Et puis quoi encore? Ici, c'est un havre de paix! La vie doit reprendre son cours normal avec des gens normaux! Personnellement, je ne connais plus! Non! Avec cœur au chaud, la fouette bien au chaud! Cucu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? C'est pas que je m'ennuie à l'auberge, le rosé est excellent. Et au journal, on boucle dans une heure. Cucu, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne vous inquiétez pas, je connais la maison. On sait jamais si elle était un peu sous moi. Occupez-vous de Cucu! Mais oui, suivez-moi, monsieur Coucou! Non, non, ne vous dérangez pas, madame! Madame! Oui, enfin, monsieur, c'est pareil! Tu vois, ça commence à savoir! Mais si! Bon, j'ai bien repéré le trajet! Écartez-vous, mesdames, écartez-vous! Yeah.
femme risque d'imploser. Ah, mais ton père qui te prend pour un téléviseur. C'est trop là, là. Là, on a l'impression qu'il y a de la suie. Là, là, ne touchez pas mes faux doigts, sinon ça va hurler. Pourvu que ce soit pas la grande motte. Oh. Ah,
Ah non, la corbeau femelle. Non. Excusez-moi, j'ai oublié mon sac. Mais je vous en prie, faites comme chez vous. Et le corbeau mâle, il est chez où, là? Oh. Mademoiselle, vous savez de quoi j'ai très envie? Que je vous repousse un bouton? Non, piquer une tête dans votre piscine. Depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai eu chaud? Je pleure? Non, il n'en est pas question. Bon, allez, habillez-vous! Pourquoi? Il n'est pas mimi, mon deux pièces. Un deux pièces? Vu sa superficie, je dirais plutôt un studio. Avec une vue pas trop désagréable, d'après les connaisseurs. Il y a quelqu'un là-haut? Non, c'est moi, j'ai un chat dans la gorge, là. Un gros mal tout bon, allez-vous-en! Alors ça, j'en aurais qu'un. Oh, ce qu'elle est collante, celle-là, arrêtez! Oui, il y a un homme dans la salle de bain. Ici? Oh, ma pauvre chérie, c'est pas du tout ce que vous croyez. D'après mon frère, les deux plus grands mystères de l'humanité sont le triangle des Bermudes et ma sexualité. Alors, vous voyez, je crois plus que cet homme, c'est... Je suis pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh là, c'est carrément le ciel qui nous le renvoie pour le punir de sa méchanceté. Tenez. Ah! Mais non, mais attendez, mais vous me donnez une idée, vous? Qui? Moi? Oui, vous, absolument. Si je réussissais à vous photographier avec je porte dans une pose, disons, compromettante. Oui, oui, gagné. Eh bien, je l'obligerais à retravailler avec mon Jacques en échange des clichés. Du chantage, Lucie. Oui, je sais. Oh, que c'est laid. Mais oh, que c'est efficace. Non, bon, il s'impatiente. Vous avez raison, laissons tomber. Allez, hop. Lucie, c'est tout de suite la prise de vue. Vous acceptez? Oh, madame! Mais au nom de mon frère, merci! Du moment que ça peut lui rendre service. Oui, alors écoutez, sans vous contrarier, là, voilà, la pose idéale, ce serait là, dans cette chambre, avec le lit en arrière-plan. Oui, allez, on se dépêche, il n'y a pas que ça à faire non plus. Allez, voilà. Oh là là, dans quoi je m'embarque? Moi, dans quoi je m'embarque? Alors, l'appareil photo, il est où, là? Alain, le chemin est libre. Déjà, je croyais que vous m'aviez oublié. Non, il n'y a pas de danger. Oh, donnez ça que je me débarrasse, voilà. Alors, sur le lit de Jacques, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Vous croyez que ça va m'aller? Franchement, ça devrait vous plaire. Donc, Lucie, moi qui vous croyais hostile, là je suis agréablement surpris. Et c'est pas fini. Oh, elle me fait un petit boulot, elle. Oh là là. Ah non, mais si mon Jacques voyait ça, il serait fou de joie. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Viens là, toi. Ah non, elle est douée. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, dis donc. Je le tiens, le jupon. Mais quel numéro? Jacques, c'est Jacques. Oh non, il va tout gâcher, non mais... Oh là là, c'est Jacques. Oui, pour une fois qu'il épouse, il peut pas rester à son mariage, lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour que tu sois heureux. Oh, oh là là. Voilà. On t'attend pour servir le fromage. Pourquoi tu t'es enfermée? Pour pas te déranger. Oui, je te préparais une surprise. Ah non, hein? Tu comptes pas en pousser une à la fin du banquet? Jacques, les fêtes de famille sont les seules occasions où je peux chanter en public. Alors, à journée exceptionnelle, chanson exceptionnelle que j'ai moi-même composée. Ouais. Eh ben, ça promet. Allez, où, t'en sais? Non, je peux pas. Non, je peux pas partir comme ça, là. Bah pourquoi? Bah parce que j'ai pas fini, enfin, de tout préparer, quoi. Et en plus, elle nous fait des caprices de lila. Très bien. Je t'accorde une dernière répétition. Ah oh non, pas devant toi. Non, Jacques, non. Tu me files le trac. Mais devant 100 personnes, ce sera pire. Et puis, je préfère t'auditionner. Ça minimisera la casse. Allez hop, tu répètes, oui. Bon, j'ai appelé ça le rap du Brombi. Du bron quoi? Du Brombi. Brombi, c'est biberon en verlan.
Ah, parce que tu parles en verlan, toi, maintenant? Oh, ouais, bah, faut t'y mettre, chérie, c'est la langue officielle du troisième millénaire. Donc, c'est un rap que je dédie à ton futur bébé. Yo, 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 oh, oh, bébé, oh, mon frère, bah, c'est l'heure du brombi, oh, bois, 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 oh, mon frère, qu'il est chaud le bon lolo, yo, 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 dans les banlieues, on te donne le sein, dans les quartiers chics, t'as le lait en poudre, oh, oh, c'est ça, l'inégalité de la tête. L'inégalité de la tétée, ça c'est de la rime riche. Bois, 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 oh mon frère, et bois, 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 et oh mon frère. Oui, j'ai compris, tu l'as déjà dit. Bois, 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 et oh mon frère, et bois, 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 et oh mon frère. Si ça se trouve, elle est rayée. Bois, 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 oh mon frère, et bois, 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 et oh mon frère. Peut-être qu'en lui tapant dans le dos, ça l'a franchêlé. Et quand, tu, et quand, tu. Alors là, c'est plus un rap, c'est une chanson pour bègue. Et quand tu fais ton rôle, c'est toi le vrai héros. C'est le rôle du héros, le héros du rôle. Yeah yeah. Lucille. Oui. Tu chantes ça à la fin du banquet. Et le préfet qui est présent déclenche le plan sec. Alors là, c'est la goutte d'eau qui m'explose le bulbe. Pardon? Tu me gaves la chetron. Qu'est-ce qu'il prend? Faut toujours que tu pourraves l'ambiance, toi. T'es boulifiant. Bouli quoi? Chien. Au langage châtier, tu me fous les boulets. Vas-y, nique ton père. Lucie Zonard, mais pourquoi aujourd'hui tout bascule? Ça s'entretient avec un minimum de galanterie, une sœur. Et avec toi, j'ai même pas de smic. Mais t'es ma sœur, t'es pas une femme. Et alors, une sœur, c'est quoi pour toi? Un Pokémon? Mais il est complètement ouf, lui. Bon, Lucie, tu continues sur ce don et je te laisse toute seule. Mais je n'attends que ça. Tu sais, quand je fais la fofolle, j'en suis consciente. C'est uniquement pour mettre en valeur ton complexe de supériorité. Mais tu choisis le jour de mon mariage pour me balancer toutes tes aigreurs? Des aigreurs? Mais un petit mot gentil de temps en temps, du genre « Lucie, t'es formidable !» Ça t'arracherait la cheboue. Laisse-moi seule. À partir de maintenant, je rentre définitivement dans ma coquille. Comme un escargot qui en a trop, trop bavé. Lucie. Hein? Allez, Lucie. Ah, t'es formidable. Ça compte pas, faut minimum une heure de battement. Seule dans ma coquille, à dégorger mon désespoir. Et ton numéro à la fin du banquet? Déprogrammé pour minimiser la casse. Mais avec toi, la fête sera moins... Seule coquille. Hé, 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 là-haut, 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 là-haut. Coquille. Tu sais, t'as raison. J'ai souvent été injuste avec toi. En fait, mon plus grand remords, c'est que tu sois restée vieille fille. Oh, tu sais, c'est surtout les 35 premières années les plus difficiles. Mais après, on est immunisé. Mais là, mon pauvre bonhomme, tu es pour rien. Eh ben si, justement. Mais tu m'as engueulé. Tu vas sortir de ta coquille. Non, non, promis, promis, oh là, je resterai dedans. Vas-y, à mon tour de t'auditionner. Eh bien,
À chaque fois que je repérais un type qui draguait, c'était plus fort que moi. Je lui racontais les pires atrocités sur toi. Quoi ? Alors tous ces lapins qu'on n'a jamais cessé de me poser ? Les lapins, c'était moi l'éleveur. Ah ça ! Alors mais pourquoi ? Mais pour pas que tu m'échappes. C'est tellement rare d'avoir sous la main un souffre-douleur sur mesure. Résultat, t'es toujours là. Avoue que je suis bien puni. Chameau, va. Tu sais, bizarrement, ça me soulage d'entendre tout ça. C'est vrai. Jusqu'à maintenant, on s'était jamais vraiment parlé. Non. C'était surtout... crier. Oh, mon petit Jacob. Ma grande Lulu. Qui est sortie de sa coquille. Oh, les cons. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Enfin, dès que possible. Tu sais quel est mon plus grand bonheur? Non. Ma petite Emmanuelle. Ah non. Ne me dis pas qu'entre Emmanuelle et toi. Si, depuis un an. Oh, alors là, ça va pas s'arranger du tout. Mais elle est pas trop jalouse contre toi et le corbeau, hein? Si, j'ai jamais été attiré par les hommes. J'aime trop les femmes pour leur tourner le dos. Emmanuel? Où ça? Sa robe? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça, une robe, non, c'est un échantillon des futurs rideaux. Bon, ben, enfin, tu permets, je la reconnais. Je vais payer assez cher. C'est pas possible. Elle est revenue! Écoute, moi j'ai rien remarqué, mais faut dire que quand je répète une chanson, je suis tellement concentrée... La piscine! Elle est incapable de résister quand elle voit une piscine! Suis-moi! Non, je préfère rester ici, moi! Tu viens avec moi! Non. Si! À nous deux, on aura plus de poids pour la fatigue à pire! Allez! Monsieur Jupin, soyez raisonnable! Mais dis donc, qui c'est qui a commencé? Ah, à la femme, c'est comme l'hélico. Dès qu'on tombe, faut remonter. Quand on commence un mariage, on le termine. Oh, quand je te
c'est une femme afghane. C'est pas un cachet que je vais avaler, c'est la boîte entière. Et t'en loupes pas une, hein? Pourquoi tu m'as poussée? Mais je t'ai pas poussée, j'ai buté contre une dame. Toi, t'étais au bord de la piscine, alors... Mets en plein soleil, ton costume va sécher très vite. Et l'autre sauterelle à la robe qui a disparu. Oh! C'est toi là-haut? C'est quoi sa manière de se déshabiller? Enfin, tu fais tomber un coup de pain. Oh, présent, c'était vous? Eh oui, souriante, quoi qu'il arrive, hein, je comprends la surprise. Bon, enlève ce peignoir, je t'ai déjà demandé... D'aller chercher l'album de famille pour le cousin Alphonse, mais entre-temps, Lucie, plouf, dans la piscine. D'ailleurs, il est passé où cet album? Dans ma chambre, hier soir, je voulais revoir des photos de mon Jacques enfant. Bon, bah alors j'y vais, moi, dans votre chambre, Lucie. Et toi, pendant ce temps-là, tu te changes. Croque-monsieur. Dans ma chambre, le croque-mort! Je laisse la voir en vérité, je suis là, vous savez pourquoi?
Je rêve de travailler dans votre agence. Mais c'est qui? Tu montes quoi, là? Là, c'est des petits fours. Oh, c'est gentil, j'adore ça. Non, mais là... Des petits fours pour un pitbull? Et moi, j'aurais quoi ce soir en dessert? Des croquettes vitaminées? Vous avez un pitbull dans votre chambre? Oh, Toury, aujourd'hui, grâce à vous, dans ma chambre, j'ai déjà été pas mal gâté. Mais c'était rien à côté de... Des carottes pour un pitbull! Bien sûr, des carottes, ça rend aimable. Pourvu qu'il les a nature. La robe d'Emmanuel, elle n'est plus dedans. Vous êtes sûr? Regardez bien dans l'ourlet. Oh, ça se gâte. Couchez, sultan. Je vais la secouer. Où se trouve Emmanuel? Toury, on va passer un marché. Chacun gère sa sœur! La piscine, mais bien sûr, d'où votre peignoir, mais oui, oui, oui. Oh, Lucie, tu fais taire immédiatement ce chien ou j'appelle la fourrière! Oh non, ce serait trop dommage qu'il se fasse piquer! Oh non, non, non! Elle fait sécher son linge maintenant! Je veux partir d'ici! Mais au moins dans une tenue décente! Non, non, tu sais que ce pitbull est très méchant et il n'attaque que les hommes, je te l'ai dit! S'il te voit, ce sera un carnage! Sultan, au pied! Au pied, Sultan! Sultan! Oh, 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 du calme! Oh là là! Oh là là! Il a le poil tout hérissé! Si tu voyais les regards qu'il me jette! Oh là là! Oh, Sultan! Pourquoi elle suit pas l'autre? Elle est répandue à son cou! Quoi donc? Bah, la laisse! La laisse! Allez, allez, Sultan! Allez, 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 allez! Allez, allez! Et vous? Vous restez bien tranquille! Lucie, ce chien, tu le vouvoies. Oui, parce qu'il est d'origine anglaise, alors vous, tu, c'est pas la différence. Je vais me changer, mais dès que cette maudite place sera terminée... Ah! Un jour, mon cœur va lâcher. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Je pichonnais Pitbull. Oui, c'est ça, elle le caressait dans le sens du poil. En maillot de bain. Oh, vaut mieux. Ce genre de bête, ça bave énormément. Lucie, je t'en supplie, fais-le taire. Oui, oui, promis, je vais le neutraliser. Couchez, sultan. Ah, ok. Et toi, vite fait, tu dégages. Je me fais des idées ou tu m'aimes moins qu'avant? Emmanuel, j'ai compartimenté ma vie en cloisons étanches. Si une d'elles flanche, je coule. Allez, ravis-toi. Tu permets? Il m'a donné soif, ton quadrupède. Mais elle s'est volatilisée. Ah, bah Emmanuel. Et où t'étais passé? Dans ma chambre. Oui, tout de suite. Et si je me fais mordre Mais non, dans ma chambre, Madame Pitbullet. Et vous maintenant, tous les deux, disparaissez. Pas avant que tu nous gâchions dans ton agence. Quoi? Tu oses me faire du chantage? Minou, je t'assure, mon frère a des idées géniales. Pourquoi tu rigoles? Oh non, parce que tu me fais penser à Lucie, quand elle nous faisait mousser auprès de mes premiers clients. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans nos sœurs? Alors, Toury? Alors quoi? Bah, vos idées de génie. Prenez-moi un échantillon, et vite. Ah, alors à Tahiti, vous voyez, je connais des macarons publicitaires sur la peau des vaïnés. Et elles acceptaient le vaïné? Ah bien sûr, vous voyez en finance, bien sûr. Et c'était quoi comme pub? Oh ben des produits locaux. Oh, ah bah tiens, je vais vous montrer ce que ça donnait avec ces post-it. Imaginez que ce soit des macarons publicitaires. L'emplacement le plus demandé et donc le plus cher, c'était... Ah ben forcément, pour une femme, sa poitrine, ouh, c'est la plus belle des vitrines. C'est qu'à Tahiti, ils s'en souviennent encore de mon slogan pour Tonus Plus. Tonus Plus? Oui. C'est un montant? Non, c'est du thon. Enfin, des miettes de thon, vous voyez. Avec encore plus de miettes. Tonus Plus, des miettes de thon. Alors, comme slogan, j'avais trouvé l'été. Alors, je mettais sur deux trucs, vous voyez. L'été, manger du thon, car c'est l'été thon. L'été thon? Vous, vous n'avez peur de rien? Et alors, sur les plages nudistes, vous imaginez le potentiel d'affichage? Toury, au témoin d'un doute, une pub pour les pots d'échappement, vous la collez où? Ça, t'es encore en peignoir. Je rêve, ils sont revenus. Oui, pour parler.
campagne de pub. Mais il y a une ou trois clauses qu'on avait oubliées. Et c'est pour éviter d'oublier que vous vous collez des post-it. Tout va très bien, madame, madame. Corinne, on peut retourner à l'auberge, là. Ah. Oh. Avec du cul, les impôts sont bien pointus. Oh, de fou, maintenant. Bon, j'ai deux nouvelles, mais d'abord j'enlève mes chaussures. Non. Alors, bonne nouvelle, je vous ai sauvé un morceau de la pièce montée, mais entre nous, je trouve les choses trop caramélisées. Et c'est pour ça que vous me dérangez? Non. Ouais, maintenant, mauvaise nouvelle. Que dis-je, mauvaise, atroce nouvelle, une dépêche de l'AFP, le journal vient de m'appeler. Alain Juport est mort. Quoi? Son hélicoptère s'est crashé en plein champ. D'après le pilote, Juport n'a pu se dégager et il a péri. Caramélisé. Carbonisé. Oh non, dites-moi que c'est pas vrai. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, Lucie? Mais on se tait après un tel drame. Mais plus tard, après le départ de la presse, on aura peut-être une bonne nouvelle. Mais madame, il n'y a aucun espoir, tout a été réduit en cendres. En cendres? Ça continue. On n'a retrouvé que quelques ossements. Mon Dieu, les deux moutons! Oh là là, j'en reviens pas. Si ça se trouve, en ce moment, il nous entend. Mais certainement. Et de là-haut, il doit regretter d'avoir été si méchant. Et dire qu'il est encore là il y a une heure. De thé. Si enthousiaste. Et H. Que je m'occupe de sa campagne électorale. Couché. C'est quoi ça? La Germaine. La Germaine? Elle envoie maintenant? Oh là là, j'ai mal. Oui, je sais. Cette disparition est très douloureuse. Oh mais non! Le choc nerveux m'a déclenché une contraction et je sens déjà la suivante qui se prépare. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta femme a accouché. Oh non, pitié! Pas tous les bonheurs le même jour. Trésor, retenez-vous. D'après votre gynéco, c'est pour dans deux semaines le compte à rebours. Le compte à rebours? Ta femme s'appelle Corinne, pas Ariane. Ça s'accélère! Eh ben, ralentissez! Qu'est-ce qu'on peut faire? Un cataplasme? Un cataplasme? Et pourquoi pas des ventouses, là? Chlup, chlup, chlup! Pour le maintenir collé au ventre! Madame, monsieur, les Thaïsiennes, tu te souviens, ont un truc infaillible pour empêcher un bébé de sortir avant terme. Eh ben, dites-le, c'est le moment ou jamais! Elles font le poirier. Non, parce que avec la tête en bas et puis les jambes en l'air, ben c'est pas évident pour le bébé. Et vous voyez là, si vous fermez les volets, il n'est pas attiré par la lumière. À la fin de votre vie, lorsque vous récapitulerez vos plus grosses conneries, celles-ci seront dans le tiercé gagnant. Non mais partez à la clinique, il n'y a pas une seconde à perdre. Voilà. Et nos invités? Mais ils n'ont qu'à attendre à l'auberge. Voilà, comme ça, ils seront déjà sur place pour le baptême. Va d'abord chercher la valise du bébé. La valise du bébé? Comme si en naissant, elle allait la réclamer. Où qu'elle est, ma valise? Elle est pas là. Ah, je sors pas. Alors ça, c'est le genre de phrase qui vous dissuade jamais de refaire des enfants. Oh là là, et Alain qui est mort. Mais non. Oh, pensez à des choses joyeuses. C'est très important pour l'équilibre futur du bébé. Ah non, j'ai vu ça sur internet, placenta.com. Ah, pour ma fille, j'hésite encore entre deux prénoms, Cunégonde ou Pélagie. Vous choisiriez lequel? Oh, je n'en vois pas un qui soit moins bien que l'autre. Et vous? Moi, personnellement, j'attendrais que votre bébé sache parler. Qui choisit lui-même? Oh là là, ces contractions! Voilà! Faisons une contraction des deux prénoms. Cunégonde Pélagie
Oh, ça sonne bien, Pélagonde. Mais d'où vous exhumez des prénoms si tartignoles? Du calendrier des postes. Eh ben, qu'ils se pointent en fin d'année les postiers et qu'ils osent me demander des étrennes. Allez, en route maintenant. Oh non, pas maman. Ça fait encore plus mal que les contractions. Non, mais appeler sa femme maman, c'est un vrai motif de divorce. Bon, alors on y va. Ah non, 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 t'es beaucoup trop nerveux. Au premier coup de frein, j'accouche dans la boîte à gants. Non, appelle une ambulance. Mais c'est ridicule, on va perdre un temps fou. Non, non, Emmanuel est venu m'aider à monter la prof Choute dans sa chambre. Oh là là. Ah, tu vois que j'ai bien fait d'appeler mon gynéco. On va le chercher, tiens. Heureusement qu'il est au mariage, hein. Bon alors, tu téléphones. Oui, allez, bon, allez, je vais chercher mon manuel de secourisme. Bossez, c'est le temps. Oh. Oui. Oui. Vous êtes célibataire? Oui, pourquoi? Persévérez. Mais pourquoi ils répondent pas à ce qu'on leur dit? Alors voilà mon manuel de secourisme, je l'ai trouvé très vite. Alors, piqûre d'insectes. Non, c'est pas ça. Alors, boursouflure. On s'en rapproche. Non, mais laissez-moi, je cherche, je me documente, 2 minutes, ma pauvre choute. Je veux accoucher dans la piscine. Quoi? Oui, j'ai envie d'un bébé nageur. C'est trop craquant, le sourire béat d'un bébé qui nage. Mais après, je le récupère comment? À l'épuisette. Si je peux me permettre, il y a un proverbe tahitien qui dit « Si le cordon n'est pas coupé, le bébé n'ira pas loin. » Il y a un rafut là-dedans. Comment? Mais je sais bien que vous avez un mariage. C'est le mien. Passez-moi le docteur Garouste. Eh ben, le chercher toi-même. Ça ira plus vite. Faut tout lui dire. Non, non, restez allongé, je vous en prie. Restez allongé. Mais quelle journée, quelle journée. Le cheval blanc. Cheval blanc, Henri IV. Henri IV, des pubs historiques. On va inventer des pubs historiques de la TPP de mon club. Si avec tout ça, j'obtiens pas le prix Pulitzer. Ah la gare, ça me démangeait. Ah bonjour la baraque, ça paye la pub. Moi je crois pas. Même sur son gazon, il a mis de la moquette. Maintenant là, c'est un practice de bol. Et où se voit-il appareil photo? Joyeuse! Pensez à des choses joyeuses! Tenez, pensez à Clarisse! Elle s'est tellement fait tirer la peau qu'elle a les pieds à vif! Papa! Qui a ouvert ma porte? Oh! Je suis en train de murmurer. Je sens plus ma tête. Merci de l'être. Jacques, Jacques, la petite pluie s'est échappée. Elle revient tout en bas, elle perd les eaux. Elle perd les eaux. Les pompiers, ils sont imbattables en cas d'inondation. Mais vous avez pas vu sortir quelqu'un? Enfin, une bête. Non. Oui, mais c'est ce chien, vous avez pas vu ça? Les pompiers. Jacques Lasségué, venez vite, ma femme est en train d'accoucher. Vous connaissez mon adresse? Parfait. Venez vite, trésor, les pompiers arrivent.
pensez à des choses joyeuses. Oh, tenez, faites la respiration du petit chien, là. C'est passé où, ce Cleps? Jacques, le bébé descend. Oh, le bébé descend. Monte-toi. Je peux pas. Je suis sonné comme un boxeur, incapable de remonter sur le ring. Ça, c'est bien, les hommes. Au premier coup dur, il n'y a plus personne. Et c'est nous, soi-disant, le sexe faible. Encore une appellation non contrôlée. Emmanuel, il y a vite faire chauffer un biberon. Mais Trouille, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais aider votre femme au cas où elle accouche. Vous? Oui. Vous avez quoi comme formation? Je mets plus 20. Pardon? J'ai été chez vous pendant 20 ans. Une fois, à l'arche de Bora Bora, il a été une GM à accoucher sur un catamaran. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on avait pêché en accrochant à la ligne de traîne le cordon ombilical? Pourquoi vous mettez des gants? Eh ben, parisienne, je me caoutchouc. Flaquez ce caoutchouc, madame. Faudrait une poche de glaçons. Non, mais vous croyez que c'est le moment de faire le ménage? N'ayez pas peur, madame. Je vais vous assister. Oh, mais non, pas avec mes gants de vaisselle. Réagis, Jacques. Ne laisse pas Corinne aux mains du corbeau, il va lui faire faire le poirier. Ce matin, mon horoscope pronostiquait journée riche en surprises. Franchement, je m'attendais pas à tant. Ils m'ont gâté là-haut. Non, elle rigole, c'est inquiétant, ça. Pas trop joyeuse, pas trop joyeuse. Touri, qu'est-ce qui se passe? Mais je peux pas lui toucher le ventre, elle est chatouilleuse. César, faites un effort. Un accouchement, ça n'a jamais été drôle. Oh, on aperçoit déjà les premiers cheveux. Elle est toute bouclée. Un vrai mouton. Si tu veux assister à la naissance, c'est maintenant. Je préfère assurer en ne bougeant pas. Allez, madame, on retient et on pousse, on pousse. Entendu l'absence de péridurale. Eh ben, je m'en souviendrai de ton mariage. C'est un bon 4 kilos. Oh, dis donc, toi, quand tu mets la petite graine, tu lésines pas. Le corbeau a été sublime. Félicitations, papa. Des chapeaux au somnambule pour sa petite graine. C'est vrai, félicitations, monsieur. Et bravo pour la petite graine. Ouais. Incroyable! Quoi? Il y a un deuxième bébé qui se pointe! Non, je déconne! Je pense qu'il va mal sortir, mon Jaco! Non, mon Jaco! On n'a pas gardé les cochons ensemble! Alors? Quoi? Elle est comment, ma fille? C'est un garçon! T'es sûr? Oh, j'ai tout compté, il lui manque rien! De son époque, il remue sa cadet, il fait déjà du rap. Un garçon, il est sauvé, il ne s'appellera pas Pélagon. Il aimait la divine enfant, chantons tous son âme. Ah, ah. Mais j'ai les guibolles molles. Vous aurez peut-être donné un biberon, bébé. Mais oui, ça s'impose et un bon bilan. Eh, bois, 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 et un bon frère, et bois. Ah oui, c'est bien un garçon. T'as vu comme il te ressemble? Je me voyais moins frippé. Ah, ce que je m'amuse. Je me croirais au musée Grévin, moi. Bon, allez, si on allait tous à l'auberge annoncer la bonne nouvelle. Oh, et Alain qui est mort. Mais non, mais non, mais je vais vous remonter le moral. Monsieur Lasséguier, un dernier mot pour conclure mon article. Dans la même journée,
j'ai cumulé mariage, deuil et naissance. Au tiercé, c'est ce qui s'appelle l'avoir dans le désordre. Fermez les guillemets. Quant à ce pauvre Jupor, c'est incroyable cette affiche. On dirait qu'il va parler. Mais Trésor, vous êtes folle. Restez couché, voyons. Ah, mais je suis solide. Mon arrière-grand-mère était chilienne. Elle accouchait debout. C'est peut-être pour ça que les Indiens ont disparu. Jacques, devant tout le monde, est-ce que tu pourrais jurer que tu m'as toujours été fidèle? Sans hésiter! Tenez! Que Lucie aille en faire! T'es gentil, tu me laisses aller où je veux! Jacques, chez les hommes infidèles, il n'y a que les regards qui ne trompent pas. Lucie m'a tout avoué pour Emmanuel. Oh, mais de quoi elle se mêle, non? Mais lui! Trésor, maintenant que je suis père de famille, cette fille n'a plus d'importance. C'était un gadget. Le mot est à choisir. T'en as beaucoup d'autres comme ça? Non, mais c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai poussé au mariage. Il n'était pas prêt. Voilà pourquoi il vaut mieux divorcer. On va gagner beaucoup de temps et s'épargner beaucoup de haine. Alors si je compte bien, j'ai été mariée qu'une heure et demie. Je m'en sors pas si mal. Tu pourras même dire que t'as été un mari fidèle, tu te rends compte? Et le bébé, vous lui laisserez voir son père? Bien sûr, dès que son père l'aura reconnu. Ah, oh, mais je compte bien le reconnaître, petit ange. T'as rien à voir là-dedans, je te parle de son vrai père. Quoi? Comment ça, son vrai père? Son père, génétiquement parlant, c'est Alain Jupor. Alors là, je suis scotché. Il y a de la matière, il y a de la matière. Non, non, vous dites ça pour vous venger. C'est trop facile de faire porter le chapeau à un mort. Mais non, mais Alain est bien vivant et il est là. Comment ça, il est là? Là. Qui a retourné mon affiche? Ce costume, c'est le mien. Tu vas pas frapper le père de ton fils? Quel honneur, n'oublie pas que j'ai un destin national. Oh, j'ai une crampe au mollet. Et moi qui croyais que j'étais somnambule. C'est incroyable comme ce bébé me ressemble. Alain, as-tu le faire en pensant à toi? Et toi, Coco, comment t'as pu me faire ça? Un jour où t'étais pas là. Ça, je m'en doute. Mais comment t'as pu? Je suis président Sable. Si ça c'est oui, je suis foutu. Oh, tu plaisantes. Un enfant naturel, c'est le premier critère d'un grand chef d'État. T'aurais pu divorcer ta femme. Avant une élection? C'est le meilleur moyen de la perdre. L'élection. J'ai 17 enfants et Clarisse en attend un huitième. Alors là, c'est plus un chien, c'est un lapin. Et je m'y connais, en lapin. Et vous, Corinne, pourquoi m'avoir obligée à vous épouser? Pour ma famille. Un enfant en mariage, mes parents m'auraient déshérité. Ah, ça, bon, c'était au-dessus de mes moyens. Chut, pauvre chut, c'est du Zola. Voilà. Ah oui, tiens, je te supplie de retravailler avec moi. Ça alors,
la phrase que je rêvais d'entendre. Et qui a dit que la fée Lucette n'exauçait pas les vœux? Lucie, donnez pas cette photo. Non. Quelle photo? Non, rien du tout, c'est une broderie. C'est Alain et Emmanuel enlacés sur ton lit, alors... Oh, ah, j'ai une grande momolette. Dans le même, en plus. Les pompiers, on est sauvés. Sacré Jacques. Au début, j'ai vraiment cru que tu serais l'homme de ma vie. Mais j'ai vite compris que tu seras toujours l'homme de ta vie. Mais mon Jacques, c'est un soleil. C'est aux autres de se tourner vers lui. Eh ben, tu tournes, toi. Je ne rentre pas bien à la clinique. Non, mais avant, je voudrais passer à l'auberge pour présenter bébé à toute la famille. Alors là, j'aurais du mal à encaisser les félicitations. Et l'autre, là, qui bouge pas d'un iota, comme si son fils allait le dénoncer. C'est fascinant, la lâcheté masculine. Oh, la lâcheté masculine, si elle était cotée en bourse, elle battrait tous les records de plus-value. Allez, dis au revoir à la dame. Oh, c'est vrai, je peux, merci, madame. Je rêve tellement d'avoir un bébé, moi aussi. Oh, bah profitez-en, aujourd'hui, vous avez le choix. C'est jour de marché. Et moi, pourquoi je serais puni? Oh, mais pourquoi vous dites ça? Regardez, Cucu. Ah, je suis bouleversé. Permettez-moi d'offrir un cadeau à votre bébé. Oh, c'est gentil, c'est quoi? Mon porte-bonheur, ma première paire de chaussures. Bon, elles sont un peu trouées. Je les ferai ressemeler. Merci encore pour tout, monsieur l'aspirateur. Ah, mais madame, tout le bonheur a été pour moi. Grâce à vous, j'ai pu imiter les politiciens. J'ai coupé un cordon, mais là, c'était pour inaugurer une vie. Jacques, tu me donnes tes nouvelles, d'accord? Tu perds une épouse, mais tu retrouves une amie. Tu gagnes au change, heureux célibataire. Au revoir, la duègne. Oh. Ah, Lucie, là, vous auriez pu chanter. Elle a fait un bébé toute seule. La valise du bébé! Mais comment qu'il sort, lui? Oh, ça y est, ça le reprend. Pardon, Moquette, pardon! Et un problème de réglé! Un! Allez! Jacques, on efface tout, on recommence. Oh, il fait le beau, il donne la papa! Les politiciens, c'est comme les chiens! Il ne leur manque plus que la parole! Je sais, je me suis mal comporté, mais là, Coco, c'est au grand professionnel que je m'adresse. Toi et moi, on peut casser la baraque. Casser, mais pas démolir. Un homme qui trahit son meilleur ami a toutes les chances de trahir son pays. Adieu, Coco. Je suis très minuté. Gadget, c'est pas péjoratif. C'est synonyme de nouveauté. Et c'est fou tout ce que tu m'as apporté. Ne me sacrifie pas tes plus belles années. Tu mérites mieux que ça. Non, Jacques, tu me ferais pas une poussée de maturité, là, tu m'as... Oh, Minou, fais-moi un enfant, ça changerait ma vie. Et ça changerait aussi la mienne. Prêt pour moi. Ça veut dire quoi, Claire? Ah, vieux garçon, vieille fille, une fois qu'on a pris le puits, on est indéfroissable. Allez, va-t'en. Je te regrette déjà. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route. Monsieur Alain, je peux vous déposer? J'ai ma voiture!
Bon, bah, au revoir. Au revoir. Et rendez-vous lundi matin à 8h. J'ai pas prêt. Vous m'engagez? Oh, pas trop, mais à vos côtés, mais je vais me défoncer comme un fût. Un dernier pour la route. Oh non, je déconne. Bon, Jaco, enfin, je fais pour moi toute seule. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est chouette. Ton cadeau de mariage, là, avec tout ça, j'avais complètement oublié. C'est quoi? Oh ben, je te préviens, ça va te surprendre. Oh, aujourd'hui plus rien ne peut me surprendre. Des photos? Ouais, bien sûr, elles sont un peu jaunies, mais... Oh mais dis donc, là, cette jeune fille, c'est toi? Oui, c'est moi. T'avais quel âge? Là, tu vois, c'est moi aussi, mais quelques mois plus tard. Mais dis donc, là-dessus, t'étais enceinte? Quasiment à terme. Mais t'avais à peine... À peine, et encore. Ça, c'est la nouvelle la hurissante de la journée. Lucie enceinte. Et pourquoi tu l'as pas gardée, cette enfant? Bien sûr que si, je l'ai gardée. Et pendant toutes ces années, tu me l'as cachée? Mais elle est où, cette enfant? Oh non! Oh non! J'ai la tête qui va exploser! Mais alors, ma mère! Officiellement, c'était ta grand-mère. Mais la vraie de vraie, c'est Bibi. Seigneur! Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Pendant ma grossesse, on m'avait caché à la campagne par peur du scandale. C'est pour ça que t'as jamais eu ton bac? J'ai accouché sous X. C'est ma mère qui t'a adoptée. Mais tes grands-parents m'avaient fait jurer de garder le secret jusqu'au jour de ton mariage. Pas que tu sois traumatisée. Eh ben c'est loupé. Ben là, t'as tellement insisté pour que je me marie. C'est que j'avais hâte de te l'apprendre, mais t'en as mis du temps. Et moi qui me demandais pourquoi tu me maternais. Vous avez entendu les parents? J'ai faim. Oui, maman va te faire du riz.